Okay. Non, Dominique. Pas comme ça? Non. Ah, c'est comme ça. Merci. C'est bon. Tu vas penser! Ouais! Fais jamais quelque chose d'aussi stupide encore! D'accord, je le promets. Mais je t'en prends pas pour toi. Super! Les serpents sont très dangereux et ils rentrent dans nos concessions fréquemment. Si tu les si tu en vois, appelle-moi et nous les tuerons. Ok, maman. Viens ici! Oh mon dieu! Oh. Ah, ça c'était si difficile. Mais c'est un travail nécessaire. Oh. Il y a un autre. Je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est vraiment mort. Oui, moi aussi. Maintenant, une publicité. Les pommes sont très bonnes pour toi. Tu veux savoir comment bon les pommes c'est? Écoute à ces personnes. J'aime les pommes quand j'ai fait la bicyclette. Les pommes goûtent bon, ils sont bons pour toi. Il y a beaucoup de serpents aujourd'hui. Il y a un autre! Non! Ouais, tu penses au serpent. C'est le génie de ta peur et il fait une visite. Papa, quel est le petit serpent qui te fait visite? Quel serpent? Le petit serpent noir qui t'a visité. Ah, cet serpent est le génie de notre peuple. Il se présente dans mes rêves et je lui vois et il me dit les choses qu'on va se visiter. Il présente mon génération. Tu vois mon enfant, cet serpent, dis à moi qu'est-ce qui va se passer dans le futur et donne-moi les conseils. Et un jour, il va te visiter dans tes rêves aussi. Wow. Que faisais-tu? Rien. Dormir. Oui. Bonjour mon fils. Pour les jours, j'ai pensé. Et tu as un choix à faire. C'est aller à l'école ou hériter le métier de ton père. Je vais aller à l'école. Je pense le conseil de Madame Pugin. Non!